Dans son dernier rapport, la Miviludes affiche une forte hausse des dérives sectaires. Sur l'année 2021, l'organisation recense 4021 signalements, soit une hausse de 33% en seulement un an. Parmi les mouvances en pleine expansion, on peut noter la théorie du féminin sacré. Alors, le féminin sacré, c'est l'idée selon laquelle il y a chez les femmes une essence particulière, une essence qui leur appartient et qui leur permettrait, quand elles reconnectent avec cette essence, de s'émanciper, d'accéder à un pouvoir particulier, d'accéder à des capacité particulière. On l'a perçu de l'organisation de cette mouvance du féminin sacré, qu'il s'agisse d'une forme de nébuleuse internationale avec des leaders, notamment plutôt dans le monde anglo-saxon, qui ont mis en avant un certain nombre de rituels en rapport avec l'utérus, avec la lune, renvoyant parfois vers l'idée qu'on peut se faire des sorcières qui justement étaient mises sur le bûcher en raison d'une liberté de ton, d'une liberté de comportement qui ne convenait pas à la société de l'époque. Et donc l'idée de s'inscrire dans une démarche à caractère ésotérique à travers des rituels qui sont censés vous permettre d'atteindre des niveaux de conscience et un niveau de puissance que les femmes auraient perdu du fait de la société patriarcale. Surfant sur les mouvements féministes dont elle détourne les codes, cette pratique taxée de dérive sectaire par la Miviludes connaît un succès grandissant. Elle promet de reconnecter le corps et l'esprit. C'est une croyance qui va inonder différentes pratiques. Ce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup, ça va être trois types de grandes pratiques. Donc des pratiques dites néo-spirituelles ou ésotériques. Donc c'est tout ce qui va concerner les croyances, la spiritualité, le fait de revenir à des formes de prière, à la sorcellerie, à ce genre de choses. Ça va également concerner des formes dites de pseudo-thérapie, donc parfois de dérive thérapeutique. Là, on va aller chercher tout ce qui est du chamanisme, tout ce qui va être de la guérison par les pierres, par les plantes. On va avoir recours à de la pseudo-thérapie, comme ce qu'on appelle les tentes rouges. Ce sont des tentes dans lesquelles des femmes peuvent se retrouver pour parler de tous les événements importants de leur vie de femme. Ça peut être la puberté, la grossesse, la ménopause. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le féminin sacré inonde surtout un domaine qui est très lucratif, c'est le domaine de l'édition. On va retrouver beaucoup d'ouvrages donc sur le féminisme sous le prisme du féminin sacré. On va retrouver beaucoup d'ouvrages sur l'astrologie, sur la tarologie, sur la lithothérapie, ce genre de choses, qui vont se vendre comme des petits pains et qui sont souvent bien mis en avant dans les grandes librairies. Sur TikTok, le hashtag cumule plus de 10 millions de vues. Sur Instagram, ce sont plusieurs centaines de milliers de publications qui donnent des conseils aux femmes pour faire appel à leur karma ou aux énergies quantiques pour se reconnecter à leur nature profonde de femme. C'est un phénomène qui, incontestablement, s'est installé ces dernières années avec l'apparition de nouveaux ouvrages, de nombreux sites, de nombreuses conférences, de nombreuses vidéos permettant de valoriser cette démarche qui s'inscrit dans un féminisme ésotérique censé être émancipateur. On constate que l'enrichissement matériel des promoteurs, plus que spirituel, est avéré, étant donné le coût assez considérable d'ailleurs des ouvrages, mais surtout des formations proposées par les promoteurs de cette mouvance-là. Ce concept indique être une démarche féministe pour penser la liberté des femmes et leur empowerment. Mais en réalité, le féminin sacré, c'est l'appropriation du féminisme par des dérives sectaires. C'est quelque chose qui va participer de ce qu'on appelle l'empouvoirment en français, hein, l'empowerment des femmes, ce qu'on peut considérer comme étant une chose positive, sauf que cet empouvoirment ne se base pas sur des choses qui sont des éléments rationnels. Cet empouvoirment ne dit pas aux jeunes filles, vous êtes capables des mêmes choses que les hommes. Cet empouvoirment dit, il y a en vous une essence particulière et sacrée qui vous différencie des hommes, qui fait de vous des créatures à part. Ce qui est prêté aux femmes dans le féminin sacré, les caractéristiques qui sont prêtées aux femmes, il va y avoir la créativité, l'intuition, la douceur, le care, la tendresse. En fait, on n'est pas très très loin des caractéristiques genrées, des visions essentialisantes genrées du catholicisme par exemple, qui prêtent les mêmes caractéristiques aux femmes, et ces mêmes caractéristiques ont permis à l'Église catholique de cantonner la femme au foyer et à la maternité, là où les hommes étaient eux au labeur et à la conquête. Selon la Miviludes, le féminin sacré est un mouvement très lucratif qui repose essentiellement sur des stages, des cercles de femmes et des pratiques thérapeutiques non réglementées. Pour savoir ce qui se passe dans ces stages ou dans ces cercles de femmes,
Nous avons alors contacté Hélène, une ancienne adepte du féminin sacré. Moi, ça a démarré assez tôt. J'habitais en Angleterre et vers 2015, j'ai fait mon premier cercle de femmes. Je pense une envie de m'intégrer à la communauté, de faire une activité, de rencontrer des gens. Et il y avait aussi, malgré tout, ce côté un petit peu mystique qui fait envie. J'ai grandi dans les années 90 où on regardait Charmed, Buffy. Donc, ce petit côté spirituel, ça me plaisait bien. Quand je suis revenue en France, j'ai voulu réitérer l'expérience. Ça s'est plutôt mal passé car ce côté spirituel s'est accentué et avec lui toutes les dérives que l'on peut imaginer. Sur le papier, un cercle de femmes, c'est une rencontre entre femmes. Il peut y avoir différents thèmes. Moi, c'était surtout axé sur la spiritualité. Sur le papier, on va pas dire on va se mettre à poil, on va parler sexualité. Non, 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 non. Au départ, c'est tout mignon, tout gentil. On fait connaissance, on fait un petit temps de parole pour dire comment on se sent aujourd'hui. Ensuite, il peut y avoir quelques exercices. Ça peut être des chants, de la danse. Parler d'un livre, il y a toujours un temps d'enseignement. En général, la personne qui accueille va transmettre des connaissances, bien qu'elle ne soit pas experte dans son domaine. C'est une nana qui a lu 2-3 bouquins de développement personnel, qui a un peu plus d'argent que vous et qui a flairé le filon et qui va se placer en professeur pour vous inculquer son savoir. Ensuite, il peut y avoir des cérémonies assez spéciales qui peuvent inclure des pierres, des plantes illicites ou licites. Puis à la fin, on est toutes contentes, on est des sœurs, on se prend dans nos bras et on a très très hâte d'être à la nouvelle séance. Séance qui n'est pas gratuite, bien entendu. J'ai payé des cercles de femmes jusqu'à 80€ la soirée. 80€ fois 15 femmes. Je vous laisse faire les mathématiques. Je peux vous dire que la nana se fait son beurre. Au début, donc, tout allait bien. Il y a même un cercle qui était vraiment bien car il y avait un spa qu'on avait accès à une petite piscine et un jacuzzi. Donc, oh, génial. Donc, l'organisatrice nous dit, mais préparez vos maillots de bain. Et si possible, de la couleur du chakra, de l'amour. Enfin, bref, prends mon maillot de bain, chakra de l'amour. Et puis, arrive le moment d'aller dans la piscine. L'organisatrice nous dit, mais comme on est toutes des sœurs et qu'on est entre nous et qu'on est liées, ça serait bien d'aller dans la piscine, mais sans vêtements. On s'embête et on suit la foule, en fait, là-dedans, alors que je ne m'étais jamais mise nue devant des inconnus. Puis, petit à petit, comme je vous dis, il y a parfois des rituels. Donc, il y a eu des rituels sous la douche. On devait, par exemple, se frotter de l'argile, toujours sacrée. C'était assez spécial. Il y avait même une adepte qui prenait des photos pour immortaliser ce moment de sororité. Photos que je n'ai jamais vues. Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais même pas qui les regarde. Je trouve ça très, très malsain. Il y a aussi un manque de sécurité. Dans ce cadre piscine-jacuzzi, moi, je suis un petit peu fragile et j'ai fait une syncope. Je suis tombée dans les pommes et heureusement j'étais accompagnée par quelqu'un qui me connaissait bien et qui m'a pris en charge mais tout le monde s'en foutait quoi, même l'organisatrice. J'étais dans un autre cercle de femmes où mon amie a fait une crise d'épilepsie car elle a pas supporté le son d'un bol en cristal. C'est moi qui ai géré sa crise et l'organisatrice c'est ah bah tu ne supportes pas spirituellement le son de ceci cela, enfin la spiritualité ne doit pas enlever le bon sens, quoi. Et c'est là aussi que je me suis dit, je ne veux pas mettre les pieds là-dedans, en fait, car c'est dangereux. J'ai une maladie dont je n'ai pas envie de parler. Et pendant des années, la spiritualité m'a dit, mais ne prends pas de médicaments, tu vas empoisonner ton corps, prends plutôt telle fleur de bac, faire ceci, cela. Et j'ai pris un retard sur la prise en charge de ma maladie, sur son diagnostic, énorme. J'en serais pas aujourd'hui où j'en suis avec ma maladie si on me l'avait pris en charge il y a 5 ans. Même chose quand on a des soucis psychologiques, une rupture, un divorce, je ne sais quoi, le cercle de femmes, le yoga, ça remplacera pas un psychologue.
Ce qui se passe dans les cercles de femmes ou dans les retraites, c'est que souvent, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Ils se forment vraiment, en fait, un groupe d'amis, enfin, même une fraternité. Et donc, on a envie de se revoir. Donc, ah, tiens, est-ce que tu vas faire le prochain stage ou quoi? Donc, petit à petit, les prix augmentent. Le stage du week-end, au lieu d'être à 200 euros, ben, la prochaine fois, c'est 300 parce que, vous comprenez, on a du mal avec nos charges. Ça ne fait qu'augmenter. Vers la fin, on propose poser même des goodies, enfin tiens, tu peux acheter ton tambour, ton bâton de parole. Puis est venu le moment des retraites à l'étranger. T'as un peu plus de 2000 euros hors frais d'avion. Et sur le séjour, il y avait la moitié du temps où on était en jeûne spirituel. Donc 2000 euros de quoi, vu qu'il n'y a même pas à manger. Je sais que j'ai eu beaucoup de remarques en me disant « Oui, mais c'est beaucoup d'organisation et de frais, tu ne te rends pas compte. » La plupart du temps, ils proposent ça chez eux, donc ils ont le loyer de leur maison. Leur savoir, je suis désolée, c'est pas comme si on demandait de faire un doctorat en religion. Il n'y a rien du tout à savoir. Moi, le déclic, ça a été le confinement. Car pendant le confinement, j'ai pas pu assister au cercle de femmes à 80 euros la soirée, qui était payée en avance, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Donc vient le confinement, impossibilité d'aller faire les cercles de femmes. Enfin, au départ, elle voulait le faire malgré les restrictions sanitaires, et déjà là, j'ai dit, mais attendez, on parle de la santé, on parle aussi de la loi, on interdit les réunions, c'est pas pour rien. Puis ensuite, quand est venu vraiment le confinement, refus de rembourser. Je peux pas, je suis qu'une pauvre petite auto-entrepreneuse. Et puis tu es vachement terre à terre et matérialiste, c'est pas spirituel. On est entre sœurs, tu devrais pas demander de l'argent. Après tout ce que j'ai fait pour toi, dès qu'on dévie du dogme, c'est fini. Et puis vous avez l'organisatrice et vous avez toutes les personnes qui suivent derrière et qui vont la défendre. Et là, vous êtes plus du tout leur sœur, hein. Vous êtes une moins que rien. Moi, j'ai été appelée par tous les noms. 8 mois plus tard, quand elles voient qu'elles se sont fait plumer, qu'elles n'ont plus d'argent, ah ben bah en fait, t'avais raison. Je fais, bah oui. J'ai voulu porter plainte, mais le problème, et c'est ce qu'une avocate m'a dit, c'est que porter plainte toute seule, ça sert à rien. Ça va pas marcher. Donc il faut en gros former un collectif. La plupart des gens qui sortent de là, ils veulent juste oublier ça, ce que je peux comprendre, mais du coup, il faut être à plusieurs pour porter plainte. Ensuite, il y a aussi la preuve. Et il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo, donc en général, ben, il n'y a pas de preuves matérielles. On m'a dit clairement, quand j'ai été voir les gendarmes et que j'ai expliqué, ben, vous y êtes allé de votre plein gré. On nous a pas mis un couteau sous la gorge pour payer ou quoi, donc on peut rien faire. J'ai même fait un signalement à la Miviludes, mais ben, à part signaler et dire, ouh, faites attention, ben, si vous y allez et que vous donnez 2000 balles, ben, vous avez perdu vos 2000 balles. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Quoi. Je sais qu'une nana, elle avait donné toutes ses économies à la gourou parce que spirituellement, eh ben, ça marche mieux. Bah, elle a tout perdu. Elle aurait pu s'acheter une maison, monter son entreprise ou quoi. Eh ben non, ça part à des gens malhonnêtes. Donc c'est pour ça, faites super attention parce que malgré la Miviludes, il y a très peu de lois qui protègent les victimes de dérives sectaires. Comme l'a souligné Hélène, en plus de dépenser des sommes importantes à travers ses stages ou ses cercles de femmes, parfois les gourous mettent même en danger leurs adeptes. Ils promettent des remèdes miracles à des femmes qui ont connu des fausses couches, qui ont des problèmes menstruels ou des problèmes de stérilité. Au-delà de cette question financière, il y a surtout l'exploitation, parfois, des vulnérabilités, des souffrances de certaines femmes qui peuvent être confrontées à des difficultés, à des douleurs très vives. Et on voit bien l'exploitation qui est faite par certaines personnes s'inscrivant dans cette mouvance du féminin sacré, visant à exploiter ces fragilités. Alors qu'on devrait, par définition, essayer de s'en remettre à des professionnels, à des médecins, à des psychologues qui sont formés sur ces questions extrêmement délicates, qui peuvent avoir des conséquences très lourdes dans la vie de ces femmes. Ces rituels sont développés, comme la bénédiction de l'utérus, les bains de vapeur vaginaux, ou encore le fait de synchroniser son cycle menstruel avec la lune ou les marées. Des rituels qui peuvent s'avérer dangereux. Relier son cycle à celui de la lune. Je ne sais pas comment faire, personnellement. Le cycle des femmes, s'il a une durée à peu près normale, il ne faut surtout pas y toucher. Relié à la lune, je ne vois pas bien. Les marées, oui, les marées, la lune, ça je vois bien, mais le cycle des femmes, non. Est-ce que tu as tes règles pendant la pleine lune ou pendant la nouvelle lune? Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. La médecine, ce n'est pas de la magie. Mais la magie, ça peut aller très loin. Par exemple,
La notion de purifier son vagin, comme dans le féminin sacré, c'est ce qu'on raconte, ça veut dire que le vagin est impur. Donc là, il faut déjà se méfier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un vagin serait impur? Des techniques qui consistent à donner à la terre le sang de ses règles, là, on est dans la magie. Hein. Finalement, le corps va rien subir, mais le geste va guérir. Là, on est dans la régression. Moi, quand j'étais jeune fille, on m'avait expliqué que je ne pouvais pas faire la mayonnaise. Si j'avais mes règles, jamais ma mayonnaise montrait. Tout le monde en riait quand même, parce que je ne pense pas qu'on y croyait vraiment. Mais quand même, on le disait. Donc non, on ne va pas plus rater sa mayonnaise parce qu'on a ses règles. Au sujet des bains de vapeur vaginaux, là, je pense que c'est quand même, on est dans une espèce de petite plaisanterie. La vapeur, ça peut chauffer, hein, hydrater, peut-être détendre, mais ça ne va pas aller très loin. La vapeur, elle va monter sur la vulve et certainement pas véritablement dans le vagin. Ça n'a aucune chance de faire mieux que ça. L'endométriose, si on ne connaît pas tout sur l'endométriose, on sait quand même très bien pourquoi les femmes souffrent, et ce n'est pas des bains de vapeur qui vont changer quelque chose. Mettre un œuf de quartz ou de je ne sais pas quelle pierre dans le vagin, ça peut certainement aider une femme à rééduquer son périnée. Nous, on a d'autres techniques qui s'appellent l'électrostimulation. La rééducation périnéale, c'est quelque chose qui marche bien, qui a été bien étudié, sans qu'on ait besoin de passer par des œufs de jade ou quoi que ce soit. Les gens qui vendent des œufs de yoni ou des femmes qui les achètent, on est quand même dans la croyance. En tant que médecin, je ne peux pas conseiller de sortir des chemins qui ont prouvé leur efficacité. Alors, on peut trouver de la relaxation, mais il y a des limites. Hein. Après, ça s'appelle du charlatanisme. Le féminin sacré ne sort pas de nulle part. C'est un principe d'éveil spirituel, similaire au New Age, qui prenait déjà une sorte de reconnexion entre le corps et son esprit. C'est un principe issu du New Age. C'est une spiritualité qui postule que la divinité se trouve dans l'homme. Donc une spiritualité New Age qui est adaptée à la question des femmes, de leur émancipation et du féminisme. Alors le féminin sacré se retrouve dans plusieurs courants New Age. On va les retrouver chez les sorcières, on va les retrouver effectivement dans le courant Wicca, le wiccanisme. Donc le wiccanisme, c'est un genre de mélange entre différentes spiritualités, différents folklores qui impliquent un culte d'une déesse mère. Ainsi, le féminin sacré prône des pratiques dangereuses selon l'ami Vilude. Il y a des discours aussi de rupture qui sont portées. C'est ce qui nous est remonté via les saisines de Mivilu. Notamment l'idée de rompre avec l'entourage, rompre avec la société d'une manière générale. Et ce processus de rupture est l'un des facteurs qui permet de définir aussi le fait de s'inscrire dans une démarche sectaire. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a l'impression que quelqu'un tombe dans ce genre de dérive, en l'occurrence thérapeutique ou même de néo-spiritualité, que ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps? Je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas se couper du tout de cette personne-là. Il faut évidemment essayer de l'écouter. On a le droit aujourd'hui d'avoir une spiritualité, on a le droit de croire au féminin sacré, on a le droit de participer à des tentes rouges. Ce qui est important, avant tout, c'est de regarder si la personne s'isole de son entourage, si la personne dépense beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent, dans ce type de pratique. Si cette personne est malade, physiquement malade, ou qu'elle souffre d'un traumatisme psychologique, et que le fait de pratiquer ou d'aller vers ce type de groupe l'empêche d'avoir recours à un médecin, d'avoir recours à un psychologue ou à un psychiatre quand c'est important. Et surtout, ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut éviter de faire plutôt, c'est de ne pas braquer la personne, c'est-à-dire ne pas juger sa croyance, mais essayer de la ramener vers des questionnements plus rationnels, comme est-ce que tu penses que tu dépenses trop d'argent là-dedans? Est-ce que tu as vraiment l'impression d'avoir avancé? Est-ce que tu ne penses pas qu'en plus de ce type de groupe, tu pourrais voir un médecin, tu pourrais voir un psychiatre, de façon à respecter le parcours que la personne a décidé de prendre et ne pas la braquer, et également la ramener, c'est-à-dire la protéger en la ramenant vers des professionnels de santé.